Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai rien. Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière. Quelles sont les racines qui s'accrochent? Quelles branches poussent hors de ce déchet pierreux? Fils de l'homme, tu ne peux pas dire ou deviner. Tu ne connais qu'un tas d'images brisées, où le soleil tape et l'arbre mort ne donne aucun abri, le grillon aucun soulagement, et la pierre sèche aucun son d'eau. Et il y a seulement une ombre sous ce rocher rouge. Viens dans l'ombre de cette roche rouge. Je te montrerai quelque chose de différent de ton ombre du matin qui se promène derrière toi, ou de ton ombre du soir qui se lève pour te rencontrer. Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière. Une poignée de poussière. Je ne craindrai pas le mal, pas le mal, car tu es avec moi. Tu avances avec ton bâton et tu me réconfortes. Tu nous prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Sûrement bonté et miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Ah, vous voilà. Bonjour. Nous sommes toujours coincés ici, mais au moins maintenant, le soleil se lève. J'espère que notre bateau sera réparé très bientôt. Mais pendant que nous sommes encore en rade, c'est le bon moment pour parler de cette clé que je détiens. Cette clé est une sorte de passe-partout. Et alors que nous continuons notre recherche du reste, en essayant de déverrouiller certaines portes, nous utiliserons aussi ce passe-partout pour enrichir notre compréhension de certains sujets. Comme vous le verrez bientôt, ce passe-partout ou cette clé maître réunit de nombreux sujets et questionnements qui nous préoccupent, principalement la question du temps perdu et de l'histoire de l'architecture du monde ancien, de notre cosmologie perdue et de l'énergétique du monde dans lequel nous vivons. Notre clé maîtresse est complexe et contient une mine d'informations. Nous ne discuterons pas maintenant de tout ce qu'elle a à offrir, mais plutôt d'une petite fraction de ses secrets. J'espère que ce dont nous allons parler maintenant nous préparera correctement pour la première porte, mais en continuant, nous aurons souvent besoin de réserver plus de temps pour enquêter plus en détail sur notre passe-partout, surtout à la lumière de nouvelles informations. Allons-y. Ce n'est pas un grand secret que les deux principaux luminaires au-dessus de nos têtes, le Soleil et la Lune, fonctionnent comme des instruments de mesure du temps. Le temps tel que nous le connaissons provient de notre Soleil et de la Lune. Le Soleil se lève à l'est chaque matin et se couche à l'ouest chaque soir. À partir de son lever à l'est le matin précédent, il lui faut 24 heures pour se lever à l'est le matin suivant. Tout le monde sait qu'une minute entière fait 60 secondes, et que 60 minutes font une heure, et qu'après 24 heures, chaque jour se termine et un autre commence. Et ceci est représenté par nos horloges. En regardant une horloge, il est presque impossible de dire quand le temps a réellement commencé. Il a pu commencer à n'importe quelle heure. Les aiguilles de l'horloge ont continué à tourner de manière cyclique, jour après jour, année après année. Et nous savons tous qu'il y a 12 mois dans une année, et que tous les 3 mois, tous les quarts d'année, la Terre passe d'une saison à l'autre. La vie sur Terre commence et se renouvelle au printemps. Les plantes sur la Terre capturent parfaitement nos saisons. Elles poussent au printemps, s'épanouissent en été, commencent à flétrir et à se faner en automne, et l'hiver arrive, les arbres sont stériles. Mais alors que nous entrons à nouveau dans le printemps, une nouvelle année, les plantes recommencent à pousser, tout comme les aiguilles de l'horloge. La vie continue, elle se renouvelle et continue d'une manière cyclique, le grand cercle de la vie. Tous les cercles font 360 degrés. Le diamètre de chaque cercle est proportionnel au rayon. Le cadran d'une horloge traditionnelle est un cercle de 360 degrés.
Et en observant la Lune, nous voyons que la Lune adopte un modèle similaire à celui des saisons. Chaque mois commence par une nouvelle Lune, et au fur et à mesure que le mois avance, la Lune se transforme en croissant, puis en quart, puis en gibbeuse croissante, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement la pleine Lune. Et alors que le mois continue dans sa seconde moitié, la Lune commence à décroître, en passant à nouveau par une gibbeuse décroissante, un quartier, et à nouveau un croissant, jusqu'à ce qu'elle soit vieille. Et alors, tout le processus recommence à nouveau. Ce que le Soleil et les saisons font au cours d'une année, la Lune le fait chaque mois, comme un mécanisme d'horlogerie. Et nous vivons à l'intérieur de cette horloge. Nous vivons dans l'horloge de Dieu. Mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, cette horloge ne fonctionne pas aussi bien qu'on pourrait le croire. Dieu a tout fait en parfaite mesure, mais pour une raison quelconque, il a assigné 29,53059 jours pour que la Lune accomplisse ses phases, et 365,2422 jours pour que le Soleil voyage d'une équinoxe vernale ou équinoxe de printemps à une autre. Non seulement ces chiffres résistent à un strict 360, les degrés du cercle, mais ils résistent en fait à fournir un nombre entier pratique pour nous. Comment pouvons-nous avoir 0,2422 d'un jour et 0,53059 d'un mois? Et cela s'est avéré problématique pour quasiment toutes les cultures quand elles ont essayé d'établir leur calendrier. Pour concilier un calendrier correct avec le cycle saisonnier, le cycle solaire doit être manipulé pour faire de ce supplément 0,2422 un nombre entier. Ajouter un jour tous les 4 ans le permet presque. Mais cela change alors la longueur moyenne de l'année civile sur cette durée de 4 années à 365,25. Si nous soustrayons l'année solaire à cette année calendaire moyenne, nous pouvons voir qu'il y a toujours un dépassement de l'année de 0,0078 jours, ou 11 minutes et 14 secondes. 0,0078 jours doit être arrondi au supérieur à 0,0080 ou à l'inférieur à 0,0075. Il y a toujours un reste. Pour réconcilier ce problème, les personnes chargées d'établir les calendriers officiels emploient l'intercalation. L'intercalation dans le maintien du temps est l'insertion d'un jour, d'une semaine ou d'un mois bissextile dans certaines années calendaires pour que le calendrier suive les saisons ou les phases de la Lune. Dans les calendriers solaires, cela se fait en rajoutant un jour supplémentaire au calendrier tous les 4 ans. Et nous appelons cela une année bissextile. Ce n'est pas parfait, mais c'est assez proche. Les calendriers lunaires, dans leur forme la plus commune, intercalent un jour supplémentaire dans le dernier mois de l'année, 11 fois sur une période de 30 ans. Dans les systèmes de calendriers qui utilisent à la fois le Soleil et la Lune, ou ce que l'on appelle le calendrier solaire lunaire, un 13e mois supplémentaire ou mois bissextile est ajouté toutes les 2e ou 3e années. Tout cela est très compliqué et essayer de disséquer la façon dont nos calendriers ont transformé, manipulé et égaré le temps à travers l'histoire induit un mal de tête rapide et aigu, à cause de la multitude de calendriers différents établis à travers le temps par diverses cultures, et parce que finalement, nos propres luminaires résistent à l'idée de maintenir des allures de chronométrage. Retracer le temps à travers le calendrier est une tâche presque impossible. Si le sens sous forme d'écriture est susceptible de se perdre dans la traduction, alors le temps enregistré souffre de la même susceptibilité à se perdre dans l'intercalation. Comment dire combien de temps s'est réellement passé? Si le Soleil et la Lune, qui ont inspiré l'acte même de la mesure du temps en premier lieu, ne gardent pas eux-mêmes la propreté de cette mesure. Et c'est ce qui nous préoccupe maintenant. Pourquoi nos luminaires, principalement notre Soleil, ne se comportent pas de la façon dont nous aimerions qu'ils se comportent par rapport au temps? À la fin du volume 1, la Lune est apparue comme un personnage improbable, mais central de notre histoire. Mais il est maintenant temps de se tourner vers un autre personnage central, celui du Soleil, dont l'importance est à bien des égards encore plus grande. Le Soleil est notre passe-partout.
En 1999, J.L. Hillebrand, professeur d'histoire de la physique et de l'astronomie à l'Université de Californie, a publié un livre très intéressant intitulé « Le Soleil dans l'Église ». Son argument principal, au point d'exploration, consiste à disséquer la notion que l'Église catholique romaine a donné plus de soutien financier et social à l'étude de l'astronomie pendant plus de 6 siècles, à partir de la récupération de l'ancien apprentissage antique de la fin du Moyen-Âge jusqu'au siècle des Lumières, que n'importe quel autre, et probablement toutes les autres institutions. Pour les érudits de la Terre plate, cette affirmation n'est pas surprenante. Beaucoup ont documenté l'implication de l'Église, et les jésuites ont été impliqués dans le financement et l'élaboration du mensonge héliocentrique qui est maintenant arrivé à avoir une emprise ferme sur la plupart d'entre nous depuis le début de nos vies. Qualifier le livre d'Hillebrand de lecture captivante serait un mensonge. C'est tout autant un mot de tête que certains des sujets qu'il couvre, principalement celui des mathématiques du saut périlleux, que les astronomes financés par les jésuites ont formulé en essayant de justifier les soi-disant sciences derrière le modèle héliocentrique et les multiples commissions de l'Église pour essayer d'aligner Pâques avec l'équinoxe de printemps. Dans le livre d'Hillebrand, on nous donne un aperçu du monde concurrentiel des astronomes qui essayent tous de satisfaire l'Église et de maintenir leur financement. Les tensions constantes que nous voyons émerger entre les astronomes et l'Église sont celles entre la promotion de l'héliocentrisme, qui s'oppose directement au désir de l'Église de garder le modèle de l'univers, le modèle géocentrique. Comme vous le savez, le modèle héliocentrique place le Soleil au centre du système solaire, et toutes les planètes tournent et orbitent autour de lui. Dans le modèle géocentrique, la Terre est au centre de tout le système stationnaire, alors que le Soleil et les planètes tournent et orbitent autour de lui. La Terre et le modèle géocentrique s'alignent mieux avec la Bible. Les tensions entre les astronomes en faveur de l'héliocentrisme et le désir de l'Église de garder la Terre au centre de tout est un récit historique soigneusement orchestré et comme d'habitude, non organique ou innocent. Tout comme la politique d'aujourd'hui, le modèle héliocentrique de gauche et le modèle géocentrique de droite ne sont par essence que deux ailes du même oiseau, et cet oiseau est sphérique. Alors qu'en apparence l'Église semble faire comme si elle voulait garder l'héliocentrisme à distance, par peur de promouvoir un modèle qui est en opposition directe avec ce que la Bible déclare spécifiquement, à savoir que le Soleil et la Lune se déplacent au-dessus de nous et que nous sommes stationnaires, ce qu'il faisait vraiment, c'est d'orchestrer un tête-à-tête entre deux écoles de pensée, le géocentrisme contre l'héliocentrisme. Mais dans les deux écoles, notre royaume est une incroyable, non-scientifique masse sphérique. Ce n'était pas un plan plat qui se heurte à une sphère, c'était une sphère au centre qui se heurte à une sphère volant autour d'un gigantesque soleil. Hélas, le récit du géocentrisme contre l'héliocentrisme est un livre rabâché ou familier qui consiste à financer les deux camps. Mais la guerre était déjà gagnée avant qu'il ne la commence. La Terre a été déclarée une sphère. Tout ce qu'il leur restait à faire était que les scientifiques et les mathématiciens déclarent que leurs découvertes étaient les meilleures quand le Soleil était au centre de tout. Mission accomplie. Pauvre géocentrisme, il a été utilisé, maltraité, dans le but d'introduire l'héliocentrisme. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Super, ce type nous donne une leçon d'histoire ennuyeuse sur les vieux jésuites poussiéreux qui n'ont probablement jamais existé de la manière dont on nous le dit. Je sais, mais restez concentrés. Ce qui suit est si important, et nous ne pouvons pas progresser sans le comprendre. Cela en vaudra la peine à la fin. Ce qui est absolument fascinant dans le livre d'Hillebrand, c'est qu'il démontre que, contrairement à l'astropolitique de l'époque, l'Église avait en fait pris le Soleil dans ses bras longtemps avant que l'héliocentrisme ne soit déclaré vainqueur, d'une manière qui rappelle la fusion par l'Empire romain du culte païen du Soleil avec la doctrine chrétienne. Les jésuites ont permis et financé une poignée d'astronomes afin qu'ils installent des instruments pour surveiller le comportement du Soleil précisément à l'intérieur de certaines des plus grandes cathédrales jamais construites. Ces instruments sont appelés méridiana ou lignes méridiennes. Ils sont un type d'héliomètre, un instrument pour mesurer le comportement du Soleil. Une méridiana est une ligne méridienne qui court du sud au nord
dans un grand espace sombre ou un bâtiment avec un trou dans son toit. Elle est principalement construite pour observer la position de l'image du soleil à midi. Les lignes méridiennes sont connues comme une tige de cadran solaire en trou d'épingle. Par essence, c'est un simple instrument, généralement un bâton dans le sol, qui permet à l'observateur de suivre la direction et la position des ombres projetées par l'emplacement du soleil dans le ciel. C'est ainsi que fonctionnent les cadrans solaires. Et en observant les ombres d'un cadran solaire, l'observateur peut déterminer l'heure qu'il est. Plutôt qu'une ombre, la tige du cadran solaire, en trou d'épingle, projette une tache solaire ou une image du soleil à travers son trou. Cette tache solaire va tomber quelque part sur la ligne méridienne et la tache solaire va remonter celle-ci jusqu'à ce que le soleil extérieur atteigne le point le plus haut dans le ciel. Quand le soleil atteint son point le plus haut dans le ciel, c'est ce qu'on appelle le zénith. Et quand le soleil est à son zénith, c'est officiellement le midi solaire. Au fur et à mesure que l'année progresse à travers les saisons, la hauteur du zénith du soleil à midi solaire changera ainsi que la position de la tache solaire sur la ligne méridienne. Veuillez noter que j'utilise ici le terme zénith pour décrire le point le plus haut du soleil dans le ciel à un jour donné. Je ne l'utilise pas dans le sens astronomique strict du soleil étant à 90 degrés au-dessus de notre tête. Nous y reviendrons bien plus tard. La tige du cadran solaire de Saint-Sulpice à Paris est un exemple très célèbre de l'un de ces instruments. Ici, nous voyons la ligne méridienne qui traverse le sol de l'église jusqu'à un obélisque. Ils ont placé l'obélisque ici parce que l'église n'était pas assez grande pour contenir la longueur de la trajectoire des taches solaires tout au long de l'année. Comme vous pouvez le voir sur le diagramme ici, en hiver, la tache solaire frappera directement l'obélisque, car dans l'hémisphère nord, en hiver, le zénith du soleil, son point le plus haut à midi solaire, est plus bas dans le ciel. Au fur et à mesure que l'année avance jusqu'au printemps, la tache solaire sera descendue de l'obélisque et tombera sur le cercle près du milieu. C'est le marqueur de l'équinoxe de printemps. Pendant l'équinoxe de printemps, le zénith du soleil est plus élevé à midi solaire que pendant les mois d'hiver. Et au début de l'été, la tache solaire aura parcouru tout le chemin jusqu'au début de la ligne méridienne ici. Le midi solaire en été est le moment où le soleil atteint son point le plus haut dans le ciel pendant son voyage annuel. Au début de l'automne, le point le plus haut du soleil devient plus bas en hauteur apparente et la tache solaire fait son chemin vers le cercle ici pour l'équinoxe d'automne. Maintenant, c'est génial. Les astronomes du Moyen-Âge et tout au long du chemin jusqu'au XIXe siècle s'amusaient en créant des trous dans des structures merveilleuses afin de pouvoir observer la danse des taches solaires d'avant en arrière tout au long de l'année. Mais ce n'est pas ce qu'ils faisaient vraiment. Ils surveillaient la position de la tache solaire chaque année et suivaient la façon dont elle déviait entre les équinoxes et les solstices annuels. Et peut-être commencez-vous à penser, attendez une minute, peut-être que ce récit est faux et que nos ancêtres historiques avancés, ceux qui ont construit ces énormes structures qui agissaient comme générateurs d'énergie, les ont aussi fait fonctionner comme d'énormes tiges de cadran solaire pour piéger les luminaires. C'est une idée originale, mais pas complètement. Établir une ligne méridienne n'était pas chose facile. Il fallait souvent que les astronomes commandent une réfection radicale du sol de ces structures afin d'obtenir un niveau plat. La méthode de Giovanni Cassini pour l'aplanissement du sol est un excellent exemple. Comme l'explique Heilbronn, Cassini a creusé un fossé le long du tracé calculé de la ligne, y a placé un canal en bois et l'a rempli d'eau pour fournir un niveau précis. L'ironie. Les principaux personnages historiques de l'astronomie ont dû se tourner vers la nature immuable et nivelée de l'eau pour obtenir un niveau précis afin de pouvoir suivre le mouvement du soleil. Savaient-ils, ou étaient-ils juste aveuglés en regardant obsessionnellement le soleil? La question que nous devons nous poser cependant est pourquoi les astronomes, entre les années 1500 et 1800, suivaient-ils de façon obsessionnelle la position du soleil pendant les équinoxes et les solstices? Nous devons maintenant porter notre attention sur ce que le soleil au-dessus de nous fait réellement.
Et il est temps de parler à nouveau de l'obliquité, de l'écliptique et de la précession des équinoxes. J'ai maintenant largement introduit ces concepts. Et dans notre examen de la Lune, ce que j'ai besoin que vous fassiez, c'est oublier tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, dans ce modèle que j'ai présenté. Nous y reviendrons plus tard, mais pour l'instant, oubliez-le. Pour comprendre un aspect crucial de notre clé maîtresse, je dois discuter de ces concepts tout d'abord, et ironiquement, en termes de modèle héliocentrique, et ensuite en termes de modèle plan géocentrique, ou ce qu'on appelle le modèle de la Terre plate. Ce que je vais essayer d'expliquer maintenant n'est pas difficile à comprendre, mais c'est très complexe, et je vais faire de mon mieux. Comme vous le savez, dans le modèle héliocentrique, la Terre tourne sur son axe et en plus de cela, elle tourne autour du Soleil. Une rotation sur son axe correspond à un jour d'environ 24 heures. Et une orbite complète du Soleil représente une année de 365,2422 jours. Au lieu que les pôles de la Terre soient situés à la verticale sur le globe, ils sont déplacés d'un angle d'environ 23,4 degrés. C'est ce que nous appelons l'inclinaison axiale. La Terre tourne sur cet axe. Dans le modèle héliocentrique, la rotation et l'orbite de la Terre ne sont pas les seuls mouvements. Il y a aussi les trois cycles de Milankovitch, nommés d'après le géophysicien et astronome serbe qui les a théorisés, et qui décrivent des changements dans le mouvement de la Terre et l'impact qu'ils ont sur la saisonnalité et la localisation de l'énergie solaire. La théorie scientifique acceptée postule que l'axe de la Terre change lentement. Selon cette théorie, il y a une poignée de façons dont il change, et elles se produisent simultanément et lentement. Nous avons déjà parlé de l'un de ces changements, le premier cycle de Milankovitch, celui du changement d'orientation de l'axe de rotation de la Terre, ou ce qui est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Parce que la Terre est apparemment inclinée et en rotation, les scientifiques ont utilisé l'analogie d'une toupie pour décrire ce genre de mouvement axial. La Terre ne fait pas que tourner d'une manière fixe à un angle de 23,4 degrés, mais trace une trajectoire conique très lentement au cours du temps. À cause de cette trajectoire conique, la désignation de notre étoile polaire directement au-dessus de notre pôle nord, qui est actuellement Polaris, changera lentement. À cause de cette précession, notre étoile polaire, il y a 5000 ans, était Tuban, dans la constellation de Draco. Dans 13000 ans, notre étoile polaire ne sera plus Polaris, mais pointera directement sur Vega, dans la constellation de la Lyre. Une autre façon dont cette précession est observable est dans le reste des étoiles au-dessus de nous. Si notre axe de rotation change pour pointer vers une étoile polaire différente, alors toutes les positions des étoiles et des constellations que nous voyons au-dessus de nous auront également changé. Et comme nous l'avons vu, l'une des principales manifestations des étoiles dérivant de leur position fixe est la précession des équinoxes. Cette dérive se produit très lentement, à un rythme de 1 degré tous les 72 ans, une constellation entière tous les 2160 ans. Nous pouvons l'observer en suivant la position du Soleil à l'équinoxe par rapport aux étoiles fixes au-delà. Le deuxième cycle de Milankovitch est beaucoup plus facile à comprendre et il se rapporte à la forme de la trajectoire orbitale de la Terre autour du Soleil, ou ce qui est officiellement appelé l'excentricité du cycle orbital de la Terre. La théorie postule que la forme de la trajectoire orbitale de la Terre autour du Soleil fluctue de circulaire à elliptique sur une période de 100 000 années. Comme le maintient la théorie, ces oscillations de circulaire à elliptique ont un impact dramatique sur la glaciation car elles modifient la distance de la Terre par rapport au Soleil, ce qui modifie donc la qualité de radiation solaire à laquelle la Terre est exposée. L'excentricité est affectée par l'attraction gravitationnelle des autres planètes, nous dit-on, et est actuellement proche de son point le moins elliptique, presque circulaire, et continue de diminuer. Le dernier cycle de Milankovitch concerne le déplacement de l'inclinaison axiale de la Terre ou le déplacement de l'obliquité de son axe. Oblique est un adjectif qui signifie ayant une direction oblique ou inclinée.
une trajectoire ou position inclinée ou désignant des lignes ou des plans géométriques qui ne sont ni parallèles ni perpendiculaires. Et dans le modèle héliocentrique, l'axe de la Terre est en effet incliné. Mais dans ce modèle, nous ne vivons pas seulement sur une toupie sphérique inclinée et bouffie, qui est à la fois en rotation et en train de tracer une trajectoire conique. Son inclinaison fluctue aussi. Comme vous le savez, l'obliquité ou l'inclinaison actuelle est de 23,4 degrés. Mais cette obliquité se déplace et fluctue entre 21,1 et 24,5 degrés sur une période de 41 000 ans, nous dit-on. Et pourtant, malgré toute la complexité de leur modèle, nous n'avons encore ressenti aucun mouvement par rapport à la Terre. Il est presque impossible de parler de la position du Soleil dans le ciel si nous nous considérons en orbite autour de celui-ci. Essayez vous-même. Asseyez-vous dans votre jardin ou parc et parlez de la position du soleil comme si nous étions en mouvement. C'est le matin et le lever du soleil, ce qui signifie que nous avons fait la moitié de notre cycle depuis hier soir. Ça fait bizarre de parler comme ça parce que ce n'est pas naturel. Et c'est parce que nous ne ressentons aucun mouvement par rapport à la Terre. Ce que nous percevons réellement avec nos propres yeux, c'est le soleil qui change sa trajectoire dans le ciel tout au long de l'année. Donc, essayons de conceptualiser ce à quoi cette obliquité de l'écliptique ressemble ici sur Terre. Et pour ce faire, rendons-nous à l'équateur pour l'équinoxe. Le soleil ne s'est pas encore levé, alors élargissons notre point de vue par anticipation. Ce que nous voyons ici en regardant ce point de vue élargi est ce qu'on appelle la sphère céleste. C'est un concept abstrait qui, dans le modèle de la Terre sphérique, entoure une boule en rotation. Maintenant, nous pouvons diviser l'écran céleste en deux, et c'est ce que l'on appelle un équateur céleste, qui, tout comme l'équateur géographique, divise le nord et le sud de notre soi-disant planète en deux moitiés égales. L'équateur céleste divise le ciel. Nous sommes sur l'équateur géographique à 0 degré de latitude, donc il divise ici notre écran de ciel de manière égale. Ah, voilà le soleil, regardez attentivement. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'il est positionné sur l'équateur pendant l'équinoxe, le soleil atteint son vrai zénith, ce qui signifie qu'il est directement au-dessus de nous à 90 degrés. Comme vous pouvez aussi le voir, le soleil parcourt ici parfaitement l'équateur céleste. Il est actuellement 13 heures. Il va continuer à traverser l'équateur céleste jusqu'à ce qu'il se couche. Maintenant, revenons à la position du soleil à 13 heures et voyons ce qui se passe au fur et à mesure que nous progressons dans les mois de l'année en gardant notre heure fixe à 13 heures. Comme vous pouvez le voir, le soleil à 13 heures change de position. Il zigzague sur l'équateur céleste comme un serpent. Comme vous pouvez le voir, l'équateur céleste reste fixe ici. Mais il y a une autre trajectoire qui porte le soleil. Cette trajectoire est appelée l'écliptique. Et comme vous pouvez aussi le voir, l'écliptique a des limites vers le nord et vers le sud. Le soleil ne peut pas dépasser cette trajectoire nord ni cette trajectoire sud dans son voyage annuel. Ces trajectoires marquent les lignes tropicales de latitude, Cancer et Capricorne, qui se forment à 23,4 degrés au nord et au sud de l'équateur. Si l'écliptique est la trajectoire annuelle du Soleil, alors l'obliquité est la limite nord et sud de cette trajectoire. Et il n'y a pas d'inclinaison de la Terre de 23,4 degrés, c'est le Soleil qui dévie de 23,4 degrés de chaque côté de l'équateur céleste au cours de son voyage annuel. Je comprends que c'est assez difficile à visualiser. Alors passons un peu plus de temps sur ce sujet. Pour conceptualiser ceci, nous allons utiliser quatre points différents dans l'année, les équinoxes et les solstices. Voici la trajectoire du Soleil tout au long de l'année à l'équateur pendant l'équinoxe de printemps. Et maintenant, pendant le solstice d'été. Là, pendant l'équinoxe d'automne. Et enfin, pendant le solstice d'hiver. Comme vous pouvez le voir, il y a deux types de mouvements ici en ce qui concerne le soleil. Le premier est un mouvement quotidien à travers le ciel, et le second, c'est la dérive annuelle de ce mouvement quotidien en aller et retour vers les lignes tropicales de latitude.
La dérive annuelle du Soleil par rapport aux lignes tropicales représente l'obliquité de sa trajectoire. Déplaçons-nous maintenant à 50 degrés de latitude dans l'hémisphère nord et voyons à quoi cela ressemble depuis cet emplacement. C'est l'équinoxe de printemps. Et maintenant, le solstice d'été. Puis l'équinoxe d'automne. Et enfin, à nouveau, le solstice d'hiver. Alors qu'il semble que la hauteur du soleil change tout au long de l'année, ce n'est finalement qu'une illusion d'optique. Par exemple, pendant les solstices de 50 degrés de latitude nord, il semble que le soleil est plus haut en été et plus bas en hiver. Mais si nous changeons notre perspective pour faire face au sud-ouest et que nous combinons les deux images, vous pouvez voir que le soleil n'augmente pas et ne diminue pas sa hauteur pendant son voyage annuel, mais sa position par rapport à l'équateur céleste change. Par conséquent, il semble plus haut en été dans l'hémisphère nord, car il se déplace dans le tropique du Cancer et est donc plus proche de ceux qui vivent dans cette zone. Et il semble plus bas en hiver lorsqu'il se déplace dans le tropique du Capricorne, car il est plus éloigné. Il y a un paradoxe très profond qui entoure ceci, et nous l'explorerons beaucoup plus tard dans notre voyage. Mais jouez avec les vecteurs du point de fuite, et cela peut devenir apparent. Dans toute sa simplicité, l'obliquité de l'écliptique n'est rien de plus que les limites géographiques de la trajectoire annuelle du Soleil, et ces limites sont situées à 23,4 degrés au nord et au sud de l'équateur. Et comme vous l'avez vu dans cette démonstration, le voyage annuel du Soleil le long de son écliptique forme comme une onde sinusoïdale de serpent ou une spirale énergisée. Vous pouvez aussi voir qu'à un moment donné, la trajectoire écliptique traverse l'équateur céleste. Cela se produit deux fois par an, et c'est ce qu'on appelle l'équinoxe. C'est la rencontre de deux trajectoires, et vous pouvez voir ici, à l'équinoxe, quand le soleil est à midi, que la croix que ces lignes forment représente visuellement l'obliquité de la trajectoire du soleil. Il y a une différence de 23,4 degrés entre la trajectoire écliptique du soleil et l'équateur céleste. C'est ce qu'on appelle l'obliquité de l'écliptique, ou ce que les scientifiques ont appelé E. Et c'est à cause de cette obliquité que le Soleil dérive entre les tropiques du Nord et du Sud chaque année, et que nous avons des saisons changeantes. Le modèle héliocentrique postule que l'obliquité de la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel au-dessus de nous est due à l'inclinaison axiale de la Terre. Dans ce modèle, les saisons se produisent à cause de son inclinaison. Par exemple, lorsque la Terre s'éloigne de l'équinoxe de printemps, l'hémisphère nord s'incline davantage vers le Soleil en raison de l'inclinaison axiale, ce qui signifie que c'est l'été dans l'hémisphère nord. Alors que la Terre tourne, l'angle de son inclinaison change, et les saisons commencent donc à changer, à cause des variations de la lumière solaire et des radiations qui frappent les hémisphères nord et sud. Dans le modèle de la Terre plate, c'est un soleil qui se déplace au-dessus de nous. Ce modèle tente de capturer la trajectoire du soleil et son obliquité à travers le concept d'une spirale. À partir de l'équateur, le Soleil se déplace en spirale vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il atteigne le tropique du Cancer au nord à 23,4 degrés de latitude. Il effectue ensuite une spirale vers l'extérieur pour revenir à l'équateur, à l'équinoxe, et continue jusqu'à atteindre le tropique du Capricorne au sud à 23,4 degrés de latitude. Et bien que la conception de ce modèle de la trajectoire annuelle du Soleil n'est pas entièrement exacte, elle l'est dans son argument que c'est le Soleil au-dessus de nous qui se déplace et que sa trajectoire annuelle dévie de l'équateur. Pour résumer, la trajectoire annuelle du Soleil ne traverse pas continuellement un équateur céleste, mais dévie vers le nord et le sud de par sa trajectoire écliptique, atteignant un maximum de 23,4 degrés de latitude. Et l'angle ou les degrés entre la trajectoire écliptique et l'équateur céleste est ce que l'on appelle l'obliquité de l'écliptique, ou E.
Et en plus des saisons, une des maillères clés dont l'obliquité et le second cycle de Milankovitch de l'excentricité affectent nos vies ici sur Terre est dans la différence entre les aiguilles de l'horloge humaine et le comportement réel de l'horloge solaire au-dessus de nous. Les recherches de Hellbrand démontrent que l'Église et les astronomes, à partir du XVIe siècle, étaient obsédés par la surveillance de la trajectoire annuelle du Soleil et le suivi de toutes les déviations qui se produisaient chaque année. Et ils ont trouvé que la ligne méridienne était un bon moyen de le faire. Mais la ligne méridienne et la grande quantité de cadrans solaires et autres héliomètres qui apparaissent en excès dans les villes et les villages européens jusqu'au XIXe siècle rendaient service aux habitants. Ils pouvaient se rassembler autour d'un cadran solaire vers le midi local, pour remettre leurs horloges à l'heure. Les habitants pouvaient observer l'ombre du cadran solaire à l'approche de midi et remonter leurs horloges pour s'assurer qu'elles seront à l'heure exacte. Mais il y avait un problème. Vous voyez, avant l'établissement des fuseaux horaires et de l'heure standardisée, le midi se produisait à des moments différents, dans le même pays et même dans la même ville. En plus de s'appuyer sur les cadrans solaires de la ville, les habitants se fiaient également aux cloches d'église qui sonnaient au bon moment pour déterminer l'heure et remonter leurs horloges. Mais pour ceux qui vivaient dans une ville comme Rome, selon Heilbronn, cela peut prendre 20 minutes ou plus pour que toutes les églises de la ville sonnent à la même heure. La disparité dans la sonnerie des heures entre les horloges des églises de toute l'Europe, poursuit-il, était notoire. Et c'était à l'individu de s'assurer qu'il fonctionnait à l'heure exacte. Tout comme un manuel d'enseignement jésuite de l'époque le prêchait, les horloges ne sont presque jamais d'accord. Vous devez surmonter ce défaut par votre diligence. Et cette disparité entre l'horloge artificielle et l'horloge solaire réelle au-dessus de nous se présente à cause de l'obliquité de l'écliptique et de l'excentricité du Soleil. La raison en est que nos horloges rendent les intervalles entre chaque jour successif égaux à 24 heures. S'il est midi un mardi, alors vous pouvez garantir que dans 24 heures, votre montre-bracelet vous dira qu'il est midi le mercredi. Nos horloges sont régulières et standardisées. Si vous regardez votre montre-bracelet et constatez qu'il est 21h un vendredi, vous pouvez être sûr que 24 heures plus tard, les aiguilles sonneront 21h le samedi. Mais le soleil au-dessus de nous n'agit pas de cette manière régulière et standardisée. Par exemple, le midi solaire du 7 avril est survenu à 12h56, mais un mois plus tard, le 7 mai, il est survenu 4 minutes plus tôt, à 12h52. Si le Soleil voyageait seulement le long de l'équateur céleste, comme il le fait aux équinoxes, alors le Soleil et l'horloge seraient alignés, et le midi solaire se produirait chaque jour à la même heure. Mais à cause de son obliquité, il commence lentement à se désynchroniser avec l'horloge artificielle dans son voyage annuel. Et comme les habitants l'ont vite découvert, l'importance du décalage entre leurs horloges et le temps réel indiqué par les ombres projetées par le soleil changeait de jour en jour. Le défaut n'était pas seulement dans l'horloge. Aussi précis que soit son mouvement, une horloge pour indiquer les heures égales tout au long de l'année doit être en désaccord avec le soleil la plupart du temps. Et c'était bien ainsi, car les habitants s'assuraient qu'ils gardaient leurs horloges alignées sur le soleil. Mais un autre problème est apparu. Alors que les habitants s'habituaient à se rassembler autour des cadrans solaires de leur ville pour s'assurer que l'heure de leur montre et l'heure du soleil s'alignaient, ils ont remarqué que pendant deux périodes de l'année, les ombres sur le cadran solaire se déplaçaient plus vite et plus lentement que les aiguilles de leurs horloges. C'est l'effet du deuxième cycle de Milankovitch, l'excentricité du Soleil. Parce que la trajectoire annuelle du Soleil entre ses limites tropicales n'est pas un vrai cercle, il est en fait légèrement elliptique, le Soleil se déplace au maximum 14 minutes plus lentement en février qu'une horloge humaine, et se déplace au maximum environ 16 minutes plus vite que celle-ci pendant le mois de novembre. Rappelez-vous, le 7 avril, le midi solaire est survenu à 12h56.
alors que le 7 novembre, il est survenu à 11h40, soit 16 minutes de plus que l'horloge, y compris l'heure d'été. Et c'est parce que la trajectoire annuelle du Soleil entre ses limites tropicales n'est pas un vrai cercle, mais est légèrement elliptique et ne se déplace donc pas à une vitesse régulière, mais accélère et ralentit à deux moments de l'année. Et si vous combinez les effets de l'obliquité et de l'excentricité, vous obtenez un graphique comme celui-ci. La ligne horizontale ici représente nos horloges normalisées, créées par l'homme, qui introduisent chaque nouveau jour avec des intervalles de 24 heures entre les jours successifs. Mais les crêtes positives et négatives de l'onde sinusoïdale ici représentent la façon dont l'horloge solaire au-dessus de nous dévie de l'horloge humaine tout au long de l'année. La crête positive est quand le soleil est plus rapide que l'horloge, et la crête négative est quand il est plus lent que l'horloge. Et la différence entre le comportement irrégulier du soleil et le tic-tac régulier et ordonné de l'horloge est ce qu'on appelle l'équation du temps. Si vous deviez installer un appareil photo au même endroit et prendre une photo du soleil tout au long de l'année, en vous assurant que vous preniez la photo exactement à la même heure chaque jour, vous seriez témoin de quelque chose de très, très spécial. Cela s'appelle l'analemme. C'est l'un des plus magnifiques et des plus époustouflants phénomènes liés au luminaire. Et il capture parfaitement l'influence de l'obliquité et de l'excentricité de la trajectoire du soleil. La forme de l'analemme, la figure en 8 avec des lobes inégaux, ou certains pourraient même dire la figure d'un poisson, est une incarnation céleste de l'équation du temps. S'il n'y avait pas d'obliquité et d'excentricité, et que le Soleil fonctionnait comme nos horloges artificielles, si chaque intervalle entre deux lunes solaires successives était en fait de 24 heures, alors il n'y aurait pas d'analemme tout au long de l'année. Le Soleil apparaîtrait au même endroit du ciel, à la même heure du jour, tout au long de l'année. L'analemme ne serait donc qu'un point. Si l'obliquité du Soleil, à savoir sa dérive nord et sud, était toujours présente, mais que l'excentricité de sa trajectoire était circulaire et non elliptique, comme aujourd'hui, alors l'analemme serait symétrique en forme de 8 et ses lobes sud et nord seraient de taille égale. Et le moyen le plus simple de démontrer à quel point l'obliquité de l'écliptique, la dérive de 23,4 degrés du Soleil dans sa trajectoire annuelle vers le nord et vers le sud, affecte nos vies sur Terre, est d'imaginer qu'elle n'existe pas. Imaginons aussi que l'excentricité a toujours été circulaire. Si nous réduisons l'obliquité à 0 degré, de sorte que la trajectoire du Soleil soit complètement perpendiculaire à l'équateur céleste tout au long de l'année, alors non seulement le Soleil garderait le temps de manière propre et s'alignerait avec nos horloges, mais il n'y aurait pas de fluctuations saisonnières, et le jour et la nuit auraient la même durée, jour après jour, année après année. Et John Milton, dans son poème épique « Le paradis perdu », a théorisé que la trajectoire du Soleil dans le monde édénique d'avant la déchéance n'avait aucune obliquité. Certains disent qu'il a été demandé aux anges de détourner les pôles de la Terre de 2 fois 10 degrés et plus de l'axe du Soleil. Ils ont, à force de travail, rendu oblique le globe circulaire. Mais que se passerait-il si l'obliquité augmentait à 90 degrés? Les limites de la trajectoire du Soleil, les limites tropicales de latitude, seraient alors déplacées ici. Et il y aurait un effet dramatique sur la saisonnalité. Beaucoup de glace fondue, n'est-ce pas? Et c'est ici que ça devient très intéressant. Comme le livre d'Al Brown, Le Soleil dans l'Église le dit, les jésuites et les astronomes ne faisaient pas qu'adoucir leur prouesse mathématique en essayant de déterminer si la Terre tournait autour du Soleil ou vice-versa. Ils étaient de manière obsessionnelle en train de vérifier si l'obliquité se déplaçait. Dès 2000 ans avant Jésus-Christ, différentes cultures mesuraient l'obliquité, nous dit-on. Et la croyance était répandue au cours du Moyen-Âge que l'obliquité oscillait autour d'une valeur moyenne. Qu'est-ce que cela signifie? Depuis le Moyen-Âge, les 23,4 degrés ont été à peu près la moyenne acceptée.
Et Milankovitch a plus tard émis l'hypothèse que l'inclinaison axiale de la Terre varie sur une période de 41 000 ans, de 21,1 à 23,4 degrés. Et comme nous venons de le démontrer brièvement, si l'angle d'obliquité devait changer, alors les deux tropiques se déplaceraient en tandem. Comme vous le savez, il y a cinq grands cercles de latitude. Nous avons les cercles arctiques et antarctiques, le tropique du Cancer et du Capricorne, et au milieu, nous avons l'équateur. Ces lignes de latitude sont ce qu'on appelle des parallèles. Elles sont reliées les unes aux autres. Si l'une d'entre elles devait se déplacer, alors une autre ligne de latitude se déplacerait également en parallèle. Dans le modèle de la Terre plate, cela signifierait que ces anneaux concentriques en spirale commenceraient à se déplacer en parallèle, soit en se rapprochant ou en s'éloignant. Si l'obliquité passait à 10 degrés, alors ils se rapprocheraient de l'équateur. Si l'obliquité passait à 60 degrés, alors ils s'éloigneraient l'un de l'autre. Dans les moins populaires et sous-estimés modèles rectangulaires de la Terre plate, la même chose se produirait. Les limites des tropiques se rapprocheraient ou s'éloigneraient de l'équateur, et les lignes arctiques et antarctiques seraient également déplacées. Et vous pourriez vous demander pourquoi Milankovitch a seulement émis l'hypothèse d'un déplacement de l'obliquité entre 22,1 et 24,5 degrés, un décalage de 1,1 degré de 23,4 à 24,5 et de 1,3 degré de 23,4 à 22,1 degrés, semble être, après tout, une petite fluctuation dans le grand schéma des choses. Pourquoi l'obliquité ne reviendrait-elle pas à 0 degré ou à 90 degrés dans leur modèle? Avant de théoriser, examinons rapidement ce que Wikipédia nous dit à propos de ce changement. Et il déclare que le tropique du Cancer se déplace actuellement vers le sud à un rythme de presque une demi-seconde d'arc de latitude, soit 15 mètres par an. Il en résulte qu'approximativement et en moyenne, les cercles tropicaux dérivent vers l'équateur et les cercles polaires vers les pôles de 15 mètres par an. Si les tropiques se déplacent actuellement de presque une demi-seconde d'arc de latitude chaque année, combien de temps cela prendrait-il pour voir un changement significatif dans leur position? Tout comme les horloges divisent l'heure en minutes et les minutes en secondes, un degré de latitude peut être décomposé en minutes et en secondes d'arc. 60 secondes d'arc font une minute d'arc et 60 minutes d'arc font un degré. De même qu'il y a 3600 secondes dans une heure, il y a aussi 3600 secondes d'arc dans un degré. Si le taux actuel de changement d'obliquité est de 1 seconde d'arc tous les 2 ans, alors, nous pouvons multiplier 2 par 3600 et nous obtenons une estimation approximative et arrondie que cela prendrait 7200 ans pour que l'obliquité se déplace d'un degré entier. Waouh, c'est un temps très long. C'est 100 fois plus lent que la précession des équinoxes, au cours de laquelle les étoiles fixes dérivent de leur position fixe d'un degré tous les 72 ans. Ce taux d'une demi-seconde d'arc est également cohérent avec l'analyse d'Earl Brown des données collectées par les astronomes entre 1700 et 1800. Et si Milankovitch a raison, alors après 7200 ans, l'obliquité aura changé de 23,4 degrés à 22,4 degrés et continuera à diminuer pendant quelques siècles de plus, avant de se retourner et de commencer à se déplacer dans l'autre sens. Et maintenant je sais ce que vous allez dire. Ils sont des menteurs. Comment savons-nous que l'obliquité fluctue entre 22,1 et 24,5 degrés? Elle pourrait continuer à diminuer au-delà de 22,1 degrés. Ils ont aussi menti sur notre histoire, alors comment pouvons-nous croire les prétendues données concernant ce changement? L'obliquité a pu faire tout ce qu'on veut dans le passé. Et je suis d'accord pour dire qu'ils sont d'énormes menteurs. Le problème avec les luminaires, l'horloge du ciel au-dessus de nous, est que les dérives et décalages se produisent très lentement, et nous n'avons qu'une durée de vie moyenne de 70 ans environ. Les mouvements au-dessus de nous pourraient s'accélérer, ralentir, changer de direction, s'arrêter complètement, et nous ne le saurions pas, surtout si les données historiques sont frauduleuses.
Comme l'affirme Hellbrown dans son introduction et dans sa citation 66, parmi les anciennes significations de mathématizare, mathématiser signifiait jeter un sort. Il sera bien temps de laisser nos imaginations s'emballer d'elles-mêmes. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter le travail de George Dodwell. En 1934, l'astronome australien George Dodwell apportait son attention sur l'obliquité de l'écliptique. Ses recherches se sont étendues sur de nombreuses années et n'ont pas été publiées de son vivant. Dans son étude de divers observatoires astronomiques et solaires et les données recueillies par les anciens sur le changement d'obliquité, Dodwell a découvert que les données historiques datant d'avant 2000 avant notre ère s'écartait du taux moyen contemporain d'une demi-seconde d'arc chaque année. De manière assez significative, Dodwell a collecté toutes les mesures historiques du changement d'obliquité, les a examinées et les a présentées dans ce graphique intitulé « La courbe d'obliquité ». La première chose qui est fascinante à propos du graphique et des découvertes de Dodwell est qu'il démontre que l'obliquité était de 25,1 degrés en 2000 avant Jésus-Christ, ce qui est déjà au-delà du seuil de Milankovitch de 24,5 degrés. Dodwell a également démontré que l'obliquité a diminué au cours des siècles vers les 23,4 degrés actuels et a formé un modèle très reconnaissable. Ce modèle, selon Dodwell, est la preuve d'une courbe de récupération. Que cela signifie-t-il ? Eh bien, comme l'obliquité est passée de 25,1 degrés en 2000 avant Jésus-Christ à 23,4 degrés actuellement, elle a subi un modèle d'oscillation qui est représenté ici par cette onde sinusoïdale. Alors que le siècle se déroule, l'obliquité diminue légèrement, puis augmente à nouveau. C'est l'oscillation. Mais, et c'est crucial, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que chaque onde successive diminue en taille au fil des siècles. Ces fluctuations maximales et minimales se répètent trois fois, mais à chaque fois, elles diminuent. Ce modèle, selon Dodwell, est ce qu'on appelle une courbe de récupération. Et cela signifie que pendant que l'obliquité a diminué en degrés bien avant 2000 avant Jésus-Christ, ces fluctuations ici montrent qu'elle est en train de se stabiliser. Dodwell affirme que cela prouve un mouvement de récupération d'une grande perturbation existant ici, pour revenir à une lente diminution fluctuante jusqu'à atteindre un équilibre autour du 19e siècle ici. Les recherches de Dodwell impliquent que, contrairement à la théorie acceptée de Milankovitch, le changement d'obliquité pourrait en fait être un effet de stabilisation qui se produit à la suite d'une perturbation bien plus grande. Dodwell a conclu que cette grande perturbation était le grand déluge. Et c'est très intéressant. Nous avons John Milton d'un côté, disant qu'après la chute de l'homme, Dieu a demandé à ses anges de tourner l'axe du soleil en oblique, et nous avons Dodwell de l'autre côté, qui démontre que les changements d'obliquité sont en fait une tentative de récupération à la suite du grand déluge. Est-ce la raison pour laquelle notre soleil semble désynchronisé par rapport au temps, parce qu'un grand événement historique a changé sa course ? Et si Dodwell a raison, alors cela voudrait dire que cet événement a eu lieu quelque temps avant 2000 ans avant Jésus-Christ, ou il y a plus de 4000 ans. Mais si notre ligne du temps est incorrecte, s'ils ont ajouté 1000 ans ici ou là, ce graphique se comprimerait certainement. Si c'est le cas, nous ne résoudrons pas le problème de l'obliquité changeante. Nous sommes, après tout, de simples mortels avec une courte durée de vie. Mais ces soi-disant anciens observatoires solaires méritent une enquête plus approfondie. Sont-ils authentiques ou simplement réaffectés, comme les héliomètres de cathédrale ? Je voudrais vous montrer quelque chose maintenant qui est assez remarquable. Regardez. Thank you.
Comme vous venez de le voir, beaucoup des soi-disant monuments anciens du passé sont encore à ce jour parfaitement alignés avec l'équinoxe annuel et d'autres dates clés. Et avant que vous ne soyez trop excités et que vous ne commenciez à prétendre que ceux de l'ancien monde étaient de vrais maîtres de l'univers et ont construit ces structures pour s'aligner parfaitement avec l'équinoxe, regardons cela d'un peu plus près. Le travail du docteur Jayasari Saranathan a attiré mon attention sur quelque chose que je n'avais pas vraiment considéré avant. Le calendrier grégorien a été établi il y a 439 ans, en 1582, à peu près à la même époque où les astronomes ont commencé à faire des trous dans les cathédrales. L'un des principaux objectifs de sa création était d'empêcher le calendrier de dériver de l'équinoxe du 21 mars. Comme si les choses n'étaient pas assez confuses, l'année solaire ou tropicale est déterminée par le temps que met le soleil pour se déplacer de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe de printemps suivante, soit 365,2422 jours. Mais une année sidérale est le temps qu'il faut au Soleil pour revenir à la même position par rapport aux étoiles fixes, au-delà. L'année solaire est 20 minutes plus courte que l'année sidérale. Et ils nous disent que c'est à cause de la précession des équinoxes. Rappelez-vous que dans cette théorie, la Terre trace une trajectoire conique, et à cause de cela, le point d'intersection ici, entre l'équateur céleste et l'écliptique, ce que nous appelons l'équinoxe, est supposé reculer ou se déplacer vers l'ouest à une vitesse d'un degré tous les 72 ans. Si le Soleil recule de 20 minutes par an, cela signifie qu'il recule d'un jour entier, 24 heures, tous les 72 ans. Comme le dit Saranathan, il est entendu qu'il n'y a pas de changement dans la date de l'équinoxe tropical dans le calendrier grégorien. L'équinoxe de printemps a toujours lieu le 21 mars ou du 20 au 21 mars. Selon la théorie de la précession, cette date a dû dériver de 5,9 jours depuis la création du calendrier grégorien il y a 430 ans. Mais on constate qu'elles se produisent à la même date. Ces structures ne devraient pas s'aligner avec l'équinoxe du 21 mars d'aujourd'hui. Si elles ont été construites il y a des centaines, voire des milliers d'années, pour s'aligner avec la date d'équinoxe de leur époque, celui dont le cerveau est lavé criera que c'est parce que le calendrier grégorien est construit pour s'assurer que l'équinoxe de mars reste à peu près la même, à un jour ou deux près. Mais le seul ajustement dans le calendrier est pour les années bissextiles. Vous ne pouvez pas me dire que ces structures s'alignent exactement à cette date parce que le calendrier calcule une année bissextile tous les 4 ans. Si cette pyramide Maya a été construite il y a plus de 1000 ans, alors la date du calendrier de l'équinoxe aurait dû être décalée de 13,8 jours. L'ombre du serpent ne devrait donc pas apparaître en mars. Si Angkor Wat fut construit il y a 900 ans, la date aurait dû être décalée de 12,5 jours. Et qu'en est-il des structures comme le temple d'Abu Simbel? Chaque année, le 22e jour de février et d'octobre, cette chambre est illuminée par le soleil pour marquer l'anniversaire du roi Ramsès et son couronnement. Ces dates ne correspondent pas à l'équinoxe et pourtant, elles sont toujours alignées aujourd'hui avec une structure qui a prétendument tenu cet alignement depuis des milliers d'années. Et nous voyons la même chose ici avec Newgrange, une structure qui a prétendument 5000 ans, mais qui est toujours alignée avec le solstice d'hiver, année après année. Cette date aurait dû être dérivée de 69 jours. Si Stonehenge a été construit il y a plus de 4000 ans, alors la date du calendrier des solstices d'été aurait dû être décalée de 55 jours, ce qui signifie qu'il devrait se produire en avril. Penser que ces alignements sont l'œuvre du calendrier grégorien est absurde. Non. La seule explication raisonnable est que la Terre et le Soleil sont liés dans leur alignement et qu'il y a une absence totale de précession ou de mouvement par rapport à la Terre. Et c'est vraiment merveilleux lorsque nos deux adversaires clés, c'est-à-dire son histoire et l'héliocentrisme, entrent sans honte dans une impasse. M. Tyson et M. Cox veulent vous faire croire que non seulement notre monde est une masse sphérique qui tourne autour d'un soleil gigantesque, qui est immobile et à des millions de kilomètres,
Mais ils veulent aussi vous faire croire que cette masse sphérique est inclinée sur son axe, tout en vacillant et s'inclinant. Tout ceci alors qu'aucun de nos sens ne perçoit ce mouvement. Et à la fois les anciennes structures du passé et le calendrier grégorien prouvent qu'il n'y a pas de récession axiale. Ils prouvent que la Terre et le Soleil sont liés dans leur alignement et que c'est le Soleil qui se déplace par rapport aux étoiles fixes au-delà. Et ensuite, vous avez les pseudo-archéologues et les pseudo-historiens tels que John Major Jenkins et Graham Hancock essayant de limiter les dégâts. Si la Grande Pyramide et Angkor Wat ont des alignements astronomiques, alors, selon Hancock, cela signifie qu'elles ont dû être construites il y a plus de 20 000 ans pour s'aligner avec la précession de la Terre. John Major Jenkins a déclaré que certaines de ces structures et leurs alignements astronomiques signifient qu'elles ont été construites comme une horloge précessionnelle avec son alarme réglée pour le 21e siècle. Ben voyons, c'est l'une des déclarations les plus ridicules jamais faites. La Terre ne bouge pas. Ce sont les luminaires qui se déplacent. Et nous y voilà. Les astronomes mentent-ils ou bien les historiens mentent-ils? Ils sont dans une impasse, mais nous avons échec et mat. Et voici le problème. Ces structures sont-elles authentiques? Des structures comme Stonehenge, la Grande Pyramide, Angkor Wat, le Temple d'Abu Simbel. Nous avons après tout la preuve qu'ils ont déplacé et modifié des structures comme Stonehenge et Abu Simbel. Savez-vous quand Angkor Wat a été prétendument redécouvert par les Occidentaux? En 1860. Pourquoi avait-il besoin d'être redécouvert? Saviez-vous que Angkor Wat a été parfaitement reproduit par les expositions universelles coloniales de Marseille et de Paris au début du XXe siècle, juste 60 ans après sa redécouverte? Quel est l'âge de certaines de ces structures, surtout les sites qui sont alignés avec le Soleil? Saviez-vous que beaucoup d'obélisques fonctionnaient aussi comme d'énormes tiges de cadran solaire? Les grandes pyramides elles-mêmes, écrit Dodwell, étaient pour des raisons pratiques, essentiellement des tiges de cadran solaire à une échelle gigantesque. Savez-vous où ils ont trouvé l'inspiration pour utiliser l'obélisque de Saint-Sulpice? Dans la Rome antique. Comme le veut la légende, Auguste a érigé un obélisque qu'il a volé en Égypte et l'a utilisé comme un énorme cadran solaire pour exprimer son pouvoir et sa gloire. Il ne reste rien de l'énorme cadran solaire d'Auguste aujourd'hui, sauf l'obélisque, maintenant déplacé de son emplacement d'origine. Savez-vous combien de ces structures ont été déplacées, modifiées, brisées, redessinées et réaffectées? Avez-vous déjà fait un tour des cathédrales en Europe et compté tous les instruments qu'elles contiennent, qui enregistrent le mouvement du soleil? Pourquoi? Pour quelles raisons tant de villes dans le monde ont des obélisques géants? Et je sais ce que vous allez dire. C'est parce que ceux de l'ancien monde étaient les vrais maîtres de l'univers et construisaient toutes leurs structures en accord avec les luminaires. Encore une fois, c'est une idée originale, mais non. Beaucoup d'entre nous sont tombés dans le piège consistant à sous-estimer la réaffectation. Récapitulons brièvement et voyons ce que nous avons jusqu'à présent. Premièrement, notre Soleil ne garde pas un temps précis, comme nos horloges, et ceci est principalement dû à l'obliquité de sa trajectoire annuelle. Deuxièmement, il y a eu un énorme effort organisé, commandé, financé par les jésuites au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle pour suivre le mouvement du Soleil et son changement d'obliquité. Et cela a abouti à la réaffectation de nombreuses structures. Le calendrier grégorien a également été établi pendant cette période. Troisièmement, aucun aspect des modèles théoriques héliocentriques de Milankovitch ne peut expliquer convenablement pourquoi le Soleil a une obliquité de 23,5 degrés. Quatrièmement, l'analyse de Dodwell montre que le changement d'obliquité du Soleil démontre un modèle de récupération d'une perturbation beaucoup plus importante dans le passé. Cinquièmement, beaucoup de structures dites anciennes dans notre histoire s'alignent avec les luminaires, en particulier le Soleil. L'authenticité de beaucoup de ces structures est discutable. Maintenant, posons une question théorique. Est-il possible qu'une grande perturbation se soit produite dans le passé et ait affecté notre Soleil et qu'elle ait provoqué la disparition de l'Ancien Monde, et que ceux qui ont suivi ont réaffecté ces structures pour déterminer le statut du Soleil et reconceptualiser un nouveau modèle de la Terre et de l'univers? Et maintenant, allons encore plus loin et posons une question théorique plus large.
Et si, comme pour toutes les nations du monde, des tensions émergeaient dans l'ancien monde et qu'il y avait une guerre, et que cette guerre culminait dans une grande perturbation qui a modifié le comportement du soleil et qui, en conséquence, a causé la disparition de beaucoup de gens. Est-ce qu'une certaine faction d'individus a conquis l'ancien monde et a fini, par la suite, par vénérer le soleil? Ah, je ressemble à un théoricien du complot. Et peut-être que tout ce que nous pouvons faire est de spéculer. Mais avez-vous déjà accordé une attention particulière à l'indéniable prévalence du culte du soleil à travers le monde? Et ce nombre, 666, 666, si nous soustrayons 23,4 degrés de 90 degrés, on obtient 66,6 degrés. L'origine de ce nombre proviendrait-elle du soleil? Est-ce que la trajectoire annuelle du soleil et ses limites s'étendent historiquement à 90 degrés? Sûrement pas. Les saisons seraient trop perturbées. Mais si le royaume était plus grand que ce que nous connaissons, que sont les pôles de toute façon? Et qui vénère le soleil? Qu'est-ce que la lumière? Toutes les cultures d'avant vénéraient-elles la lumière ou bien quelque chose d'autre s'est produit? Qu'est-ce que cela signifie de passer de l'obscurité à la lumière? Pourquoi Joshua a-t-il demandé à Dieu de faire en sorte que le soleil s'arrête? Et qui écrit l'histoire? Qui réécrit, s'approprie et détruit l'histoire? Ceux qui triomphent. Ne sous-estimez pas la réaffectation. Et voici une dernière question. Et cette question va devenir un de nos outils d'investigation à partir de maintenant. Nos vies entières ont été façonnées par une fausse cosmologie héliocentrique, et nos méthodes pour garder le temps sont fondamentalement héliocentriques. Mais que se passe-t-il si tout notre récit historique avait été réécrit et remodelé en un récit héliocentrique? Que se cache-t-il derrière tout ça? Qui a réellement construit ces horloges? Ceux qui ont construit les cathédrales ou ceux qui les ont réutilisées en l'honneur du soleil? Commencez à regarder de plus près dans votre vie quotidienne. Regardez de beaucoup plus près. Nous venons juste de commencer à examiner notre passe-partout, mais, comme vous pouvez le voir, ça met l'esprit en éveil. Et cela nous a aussi donné un cadre temporel que nous pouvons utiliser. Les héliomètres des cathédrales et le calendrier grégorien ont été établis au XVIe siècle. Cette période a été appelée la Renaissance. Savez-vous ce que ce mot signifie? Il signifie renaître, réapparaître, se relever, naître à nouveau. Qui ou quoi a ressuscité? Je pense qu'il est temps de quitter cet endroit redouté et de voyager à la recherche de la prochaine clé. Je connais l'homme qui la détient et je sais exactement où le trouver. Il nous attend. Mais j'ai bien peur que ce soit trop tard. Nous devrons essayer d'aller en Sibérie plus tard. Nous avons raté notre fenêtre d'opportunité. Nous devons ouvrir cette porte maintenant, parce que nous ne pouvons pas continuer, à moins que nous ne commencions à saisir l'écrasante complexité de la façon dont ils ont tout changé au cours des 4 à 500 dernières années. Beaucoup ont tristement sous-estimé l'énorme ampleur qu'a pris dans notre histoire la réaffectation des structures et monuments du passé. Allez, attendez, vous avez une question? Ces structures anciennes sont toujours alignées avec la date de l'équinoxe du 21 mars, ce qui prouve que la Terre et le Soleil sont liés par leur alignement, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. Alors, comment le pôle magnétique peut se déplacer et entraîner le Soleil avec lui, comme vous l'avez dit dans ce modèle? Ça, c'est un esprit. Une excellente question à la lumière de nouvelles informations. Et le premier exemple d'une tendance qui va certainement se poursuivre au fur et à mesure de notre progression. Vous remarquerez que lorsque nous commencerons à ouvrir des portes, nous ouvrirons aussi de nombreuses boîtes de verre. La question vient juste un peu trop tôt. Il manque quelque chose de fondamental ici. Et il y a une chose que rien n'est, et pourtant, elle a un nom. Avez-vous déjà vraiment considéré le mot midi, noon? C'est l'un des plus beaux mots de la langue anglaise. C'est un palindrome. Il se lit de la même façon dans les deux sens. Mais avez-vous déjà remarqué qu'il représente visuellement le chemin quotidien du soleil? Les deux extrémités ressemblent à des portes, l'est et l'ouest, où le soleil arrive. Et le cheminement avec les hauts comme la forme du soleil pendant qu'il parcourt son chemin.
Quand nous nous sommes mis en route il y a si longtemps, en nous demandant ce qui s'est passé sur Terre, la lumière brillante de l'éveil était comme un lever de soleil se dirigeant vers son zénith. Peut-être que notre voyage a même ressemblé à une sorte d'illumination. Mais Icare a volé trop près du soleil et fut rejeté vers le bas. Et c'est à peu près ce vers quoi nous nous dirigeons. Nous avons atteint le point culminant, et une descente régulière dans l'obscurité est à venir. On comprendra mieux ce que je veux dire par la suite. Et s'il vous plaît, pardonnez-moi, je devais introduire cette histoire de cette façon pour vous ouvrir les yeux, et je n'aurais pas pu le faire autrement. Jusqu'à présent, j'ai présenté le consensus général sur notre histoire cachée et notre cosmologie cachée. Mais vous êtes réveillés maintenant, et alors que nous continuons notre quête de clés, une grande partie de ce que nous avons couvert devra être regardée de façon très critique, et c'est mieux comme ça. Je préfère me débunker moi-même plutôt que de piétiner les autres. Et bien que ce ne soit pas le moment, vous avez raison, notre passe-partout nous ouvre la voie pour que nous puissions regarder d'un œil critique la trajectoire du soleil au-dessus de nos têtes. Le soleil ne se déplace pas de cette manière circulaire, comme le modèle de la Terre plate le décrit. Toutes les cosmologies, qu'elles soient sphériques, concaves, plates azimutales ou plates Mercator, échouent. Et la dynamique entre le modèle, la carte et le Soleil est le problème. Nous regarderons de plus près toutes les cosmologies beaucoup plus tard. Et ne vous inquiétez pas, nos deux personnages centraux se rencontreront à un moment donné, car que serait notre voyage sans l'apparition de la couronne ? Et nous devons faire un marché dès maintenant. Si vous voulez continuer ce voyage et que l'on commence à découvrir des choses qui ne résistent pas à une enquête critique ou qui ne fonctionnent plus, alors nous devons les abandonner, peu importe à quel point nous nous y sommes attachés. Sinon, nous porterons un poids et nous ne pouvons pas nous permettre un autre crash. Alors, vous acceptez le deal ? Excellent. Ah, regardez. Notre vaisseau est réparé. Nous pouvons enfin aller de l'avant. Allons-y. Il est temps d'ouvrir grand cette porte. Et nous sommes déjà en retard pour un rendez-vous très important. Espérons juste que notre homme est toujours là à nous attendre pour nous donner une clé. Thank you.